بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين شيخ خير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Lors des précédentes semaines, nous avons évoqué longtemps le mois de Ramadan, comment il fallait s'y préparer. Et là, il ne reste plus que quelques jours pour accueillir cet invité, ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Qu'Allah fasse que Ramadan nous trouve dans les meilleures conditions possibles et qu'il nous permette de jeûner et de faire des actions à travers lesquelles il nous fera miséricorde. Allahumma amin. Nous évoquions précédemment que l'une des meilleures manières, en tout cas, l'une des manières de se préparer à accueillir le mois de Ramadan, c'est de savoir les règles qui sont liées à ce mois de Ramadan pour pouvoir observer cette obligation, pour pouvoir, si vous voulez, jeûner dans les meilleures conditions et faire en sorte que le jeûne que nous faisons soit accepté, qu'il soit valide et qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman qui doit jeûner, qui doit observer ce pilier de l'islam qui est très important, car il faut savoir que tous les cinq piliers de l'islam, ont la même importance quasiment. Il n'y a pas d'hiérarchie. On les a placés en fonction, quand on les cite, en fonction de leur récurrence dans la journée ou dans la vie du croyant, du musulman. Mais il ne faut pas croire que la prière est plus importante que la zakat est plus importante que le ramadan est plus... Non, c'est des choses, cinq éléments qui sont indissociables dans la vie du musulman, dans la vie du croyant et dans la vie du pratiquant, tout simplement. Donc, c'est un pilier de l'islam qui est aussi, autant important que la prière, que la zakat, que les deux autres, à savoir la shahada et le pèlerinage. Donc il est important, il est indispensable, nul n'est exempté quant au fait de chercher à savoir et à connaître les règles qui sont liées à ce jeûne, à cette adoration. Donc c'est ce qu'on appelle « al-ma'loumu min ad-dini bid-darura », ce que tout croyant, tout musulman, tout pratiquant doit connaître pour que sa pratique, pour que ses actes d'adoration, ses actes de culte soient valables. Comment pouvez-vous, si vous voulez, prétendre avoir une prière valable si vous ne connaissez pas les règles qui sont liées à la prière, pardon. Comment pouvez-vous prétendre jeûner le mois de Ramadan correctement et espérer que ce mois de Ramadan nous soit accepté par Allah si nous ne connaissons pas les règles qui sont liées à ce mois de Ramadan? C'est pour cette raison, aujourd'hui, je vous propose qu'on essaie de parler des règles un peu qui sont liées, de quelques règles, on ne pourra pas parler de tout, mais en tout cas, de ce qu'il y a de plus important qui soit lié à ce mois de Ramadan. La première chose à savoir, c'est les conditions d'obligation. C'est-à-dire que pour que le Ramadan soit obligatoire sur la personne, il faut des conditions, il faut remplir des conditions. La première de ces conditions, c'est d'être musulman, car le Ramadan n'est pas obligatoire à celui qui n'est pas musulman. C'est important de le signaler, de le souligner.
les obligations religieuses en islam concernent ceux qui sont musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas concernés par cette obligation. Ensuite, il y a la puberté. Pour que le ramadan soit obligatoire sur l'individu, il faut que cet individu soit pubère. Hein? Il faut que cet individu observe les signes de la puberté, aussi bien que chez les garçons que chez les filles. Donc la puberté, le ramadan n'est pas obligatoire à celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Ensuite, il faut être sain d'esprit. Celui qui est mentalement malade, qui n'a pas le discernement, ses responsabilités individuelles ne sont pas engagées parce qu'il est malade mentalement, il n'est pas sain d'esprit, eh bien, le ramadan n'est pas obligatoire à cet individu. Ensuite, il faut avoir la capacité de jeûner. Il faut avoir la capacité de jeûner, sinon le mois de ramadan n'est pas obligatoire. Là, on pense à des gens qui sont malades, qui sont touchés de pathologies, de maladies incurables. Ils sont obligés de suivre un traitement toute leur vie. Ou alors, des personnes âgées qui ont atteint un certain niveau d'âge qui ne leur permet pas de jeûner. Nous verrons vers la fin de cette intervention ce qu'il faudra faire pour ces catégories de personnes. Ensuite, il y a la résidence. C'est-à-dire que celui qui est en déplacement, celui qui est en voyage, il est exempté de cette obligation. Le caractère obligatoire absolu de jeûner le mois de Ramadan lui tombe jusqu'à ce qu'il revienne et rentre de son déplacement ou de son voyage. Nous verrons que donc, ceux qui sont en déplacement sont exemptés du caractère obligatoire de jeûner le mois de Ramadan à l'instant même. Ils pourront reporter le jeûne du Ramadan après le mois de Ramadan, inshallah. Et puis, nous avons, il faut que la personne, l'individu, et là en l'occurrence on parle des femmes, il faut qu'elles soient exemptes des menstrues et des louchies. C'est-à-dire qu'une femme qui est dans sa période de menstruation ou qui a les louchies, eh bien cette femme ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner, elle doit reporter son jeûne. Voilà en quelque sorte les conditions d'obligation. Pour que le ramadan soit obligatoire sur l'individu, il faut remplir ces conditions. L'islam, la puberté, il faut que la personne soit sain d'esprit, il faut que la personne ait la capacité de jeûner sans que le jeûne lui porte, ne soit un danger de mort pour la personne. Il faut que la personne soit résidente, hein. Il faut que la personne soit exempte de menstrues et de louchies, en l'occurrence les femmes. Ensuite, un deuxième point qu'il faut savoir, les obligations du jeûne. Quand on jeûne, qu'est-ce qui nous est obligatoire, qu'est-ce qu'on doit observer de manière obligatoire pour que ce jeûne soit valable? La première chose, c'est l'intention. Vous vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne « Innamal a'malu bin niyat » Les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Tous les savants sont d'accord que celui qui jeûne et qui n'a pas formulé l'intention de jeûner, eh bien son jeûne n'est pas valable. Il en est de même d'ailleurs pour toutes les autres adorations. Donc l'intention de jeûner avant le lever avant l'aube en fait, avant le démarrage du jeûne, il faut que cette intention soit établie. Ensuite, il faut absolument s'abstenir de toute nourriture et boisson. Pour que le jeûne soit valable, c'est une des conditions de validité du jeûne. Il faut s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson durant la journée du jeûne. Ensuite, s'abstenir de toute relation sexuelle et tout ce qui y conduit durant la journée du mois de Ramadan. Là aussi, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Il faut absolument s'abstenir, s'éloigner
de tout ce qui est relation sexuelle et, ou de tout ce qui conduit à cela. Il faut aussi s'abstenir de provoquer le vomissement. Celui qui provoque volontairement le vomissement, eh bien son jeûne, il est annulé. Donc l'obligation de s'abstenir ou d'éviter le vomissement provoqué. Ensuite, il faut absolument éviter d'introduire dans le corps tout ce qui a un volume, que ce soit par la bouche, le nez, l'oreille ou autre. Le fait de faire introduire quelque chose qui a qui a un volume, de par ses endroits aussi, fait partie des choses absolument à éviter durant la journée du mois de Ramadan. Maintenant, on va parler des annulatifs. Les choses, les actes qui annulent le jeûne. Les choses à absolument pas faire pendant la journée du mois de Ramadan. La première chose, alors ces choses qu'on va citer parfois peuvent être d'ordre volontaire ou involontaire. Par exemple, l'apparition des menstrues ou des louchies, ça n'est pas volontaire. On ne peut pas provoquer cela. Ça vient de manière naturelle. Alors, quand cela arrive, eh bien, cette journée de jeûne est annulée. Ce jeûne de cette journée doit être rattrapé ultérieurement après le mois de Ramadan. Ensuite, le fait d'absorber de boissons ou de la nourriture par la bouche, le nez, cela aussi annule le jeûne. Manger ou boire, ou faire introduire de l'eau ou un solide par le nez, par la bouche, et que cette introduction fait que, eh bien, l'objet ou la chose qui a été introduite va atteindre l'estomac, cela annule tout de suite le jeûne. Pardon. Avoir des rapports sexuels durant la journée du mois de Ramadan, bien entendu. Cela est absolument à éviter dans la journée du mois de Ramadan. Cela annule automatiquement le jeûne. L'émission du sperme volontaire est provoquée. L'émission du sperme volontaire est provoquée par le regard, par l'imagination, par autre chose. Eh bien, cela aussi annule le jeûne. Le vomissement volontaire provoqué. Vous comprendrez que quand on vomit involontairement, cela n'annule pas le jeûne. Mais quand on provoque le vomissement, quand c'est volontaire, eh bien, cette journée de jeûne aussi est annulée. Et puis, forcément, on va évoquer le fait de l'oubli de formuler l'intention. Nous avons évoqué au début, ça fait partie des actes obligatoires du jeûne. Donc, quand on oublie de formuler l'intention jusqu'au matin, la journée l'a commencé déjà, eh bien, cette journée de jeûne ne sera pas valable. Maintenant, il y a des particularités. On pose souvent cette question. Les malades, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont enceintes, les personnes qui sont en train d'allaiter, comment doivent-elles se comporter, quelle attitude elles doivent avoir pendant le mois de Ramadan? La première chose, c'est de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas, si vous voulez, ne nous demande pas de faire des choses qui ne relèvent pas de nos capacités. Il faut être capable de jeûner pour jeûner. Si on n'en est pas capable pour X raisons, eh bien, il y a toujours des alternatives, il y a toujours des choses à faire pour observer une sorte de compensation qui va nous permettre d'avoir, inshallah, les mêmes hasanat, les mêmes rétributions que celui qui a jeûné. Les personnes qui sont malades, une personne malade qui a une maladie qui n'est pas incurable, qui espère guérir, il est malade momentanément, il est atteint d'une maladie qu'il espère qu'il sera guéri d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et bien cette personne ne jeûne pas, s'il n'a pas la capacité de jeûner,
Et après le mois de Ramadan, quand cette personne sera guérie, elle va rattraper son jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ceux parmi vous qui sont malades et qui espèrent guérir après le mois de Ramadan, eh bien qu'ils rattrapent, ils ne jeûnent pas, ils rattrapent le mois de Ramadan. Les personnes qui sont âgées à tel point qu'elles ne peuvent pas jeûner, quelqu'un qui a, disons, 80 ans, 90 ans, pour qui le jeûne constitue quelque chose de très, très éprouvant, et à tel point que eh bien, les médecins ou les personnes qui suivent cette personne âgée déconseillent le jeûne, eh bien, ces personnes-là ne doivent pas jeûner. Si le jeûne constitue un danger de mort, entre guillemets, pour la personne, parce que la situation, le contexte de la personne ne lui permet pas de jeûner, eh bien cette personne ne jeûne pas. Et il est recommandé, min babi al-istihbab, en tout cas chez les malikites, l'école malikite, il est méritoire que cette personne compense son jeûne par le fait de nourrir des pauvres. Il est méritoire, ce n'est pas une obligation absolue chez les malikites. La femme enceinte est considérée comme étant une personne qui est malade. Elle attendra après l'accouchement pour rattraper ses journées non jeûnées. Elle n'a rien à payer comme compensation, elle n'a rien à donner comme compensation. D'accord ? Remarquez bien que la femme enceinte, elle est considérée comme étant, elle a le jugement d'une personne qui est malade, maladie périodique. Donc elle ne jeûne pas si elle ne peut pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes enceintes qui supportent le jeûne. Et tout cela est laissé à l'appréciation de la personne et surtout des médecins. Si les médecins ne voient pas de danger pour la femme qui est enceinte, elle peut jeûner si elle a la capacité. Si elle ne peut pas, si ça risque de la fatiguer à tel point qu'elle se mette en danger ou elle met en danger le bébé qu'elle porte, eh bien, elle ne jeûne pas, elle attend après l'accouchement, quand elle se sentira, elle aura la capacité, la force de jeûner, elle rattrapera uniquement ces jours qu'elle n'a pas jeûné. La femme qui allaite, qui ne peut pas jeûner parce qu'en jeûnant, elle risque de ne pas avoir le lait qu'il faut pour le bébé, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est d'essayer de trouver une alternative, une solution, c'est-à-dire faire allaiter son bébé par quelqu'un ou de donner du lait, le lait qui se vend, essayer de faire ça. Si en faisant ça, le bébé qui n'a pas l'habitude de prendre ça, il ne prend pas, il ne veut pas prendre ce lait, eh bien dans ce cas, là, cette femme continue d'allaiter et elle arrête de jeûner. Elle ne jeûne pas. Et puis après le mois de Ramadan, suivez bien, après le mois de Ramadan, dans l'école malikite, il va falloir que cette dame, cette personne, rattrape non seulement son jeûne, mais aussi donne une compensation. Elle jeûne, elle rattrape le jeûne et elle donne une compensation. Uniquement pour la personne, la femme qui allaite et qui n'a pas pu jeûner parce que en jeûnant, en observant le jeûne, eh bien c'est le bébé qui va souffrir, le bébé qui ne mange pas, elle n'a pas trouvé d'alternative, elle n'a pas trouvé de solution. Donc elle ne jeûne pas. Après le mois de Ramadan, elle rattrape son jeûne et elle donne une compensation. Cette compensation, vous allez me poser la question, elle consiste en quoi? C'est mesuré, en fait, on parle souvent de mood, hein? Un ou une mood. C'est de remplir, ça se mesure vraiment comme ça, c'est de remplir, de réunir ses deux mains et de les remplir la nourriture de base du pays. Alors, si c'est du riz qui est utilisé, qui est la nourriture de base, c'est de remplir ses deux mains du riz. Si c'est du couscous, si c'est ainsi de suite. Et puis, d'autres vont convertir cela en argent dans certains pays où
déterminer la nourriture de base, c'est très compliqué. On pourrait déterminer cela en convertir cela en argent. Donc voilà pour les personnes qui allaitent. Ensuite, il y a le cas de la personne qui a mangé volontairement, qui a bu volontairement sans être contraint. Il a vraiment volontairement choisi de manger, de boire ou d'avoir des relations sexuelles durant la journée de Ramadan. Et cette personne regrette et veut se repentir. Que faut-il faire? Première chose, c'est de se repentir, c'est demander pardon, revenir vers Allah, parce que la personne aura en quelque sorte désacralisé la journée de Ramadan. Donc c'est de se repentir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est de rattraper sa journée de jeûne. Et dans un troisième temps, c'est d'observer ce qu'on appelle une expiation. Le kafara. C'est une expiation pour réparer sa faute, le péché. Et la kafara consiste en trois choses, et principalement deux aujourd'hui, puisque la première chose n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Il s'agit d'affranchir un esclave. Je vous disais, ce n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, ça n'existe plus, cet affranchissement n'existe plus. Ou alors de jeûner 2 mois consécutifs. Vous voyez, en fait, ça montre combien de fois il est important ce Ramadan. Les journées de Ramadan sont quelque chose qui sont sacrées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui boit, mange ou a volontairement une relation sexuelle pendant la journée du mois de Ramadan, pour se faire pardonner, eh bien, il est obligé de faire une de ces trois choses, principalement deux, nous l'avons dit. Donc, jeûner 2 mois de suite, 60 jours, 2 mois successifs, 2 mois lunaires. Alors, ça peut être 60, ça peut être un peu moins, en fonction des mois. Ou alors, de nourrir 60 pauvres. Et là aussi, chaque repas, chaque pauvre doit avoir, si vous voulez, la quantité d'un moud. Un moud, comme on a dit, c'est de rassembler ses deux mains et de remplir ses deux mains la nourriture de base du pays. Ça peut être convertible aussi en argent dans certaines conditions. Donc, vous voyez bien, soit jeûner 2 mois de suite, quand on mange ou boit volontairement, ou on a des relations sexuelles volontairement pour une journée. Vous voyez combien de fois c'est quelque chose d'important. Ou alors nourrir 60 pauvres. Et chez les Malikites, il est préférable de nourrir quand on a les moyens de le faire. Sinon, eh bien, ça sera de jeûner. À la Ayin, quoi qu'il en soit, il faut savoir que ces règles que nous venons de citer, il y a beaucoup d'autres éléments, mais on a choisi de parler des plus importants, les éléments les plus importants, les conditions d'obligation, les obligations du jeûne, ce qui annule le jeûne, et les expiations, le cas des malades, des personnes enceintes, des personnes qui allaitent, puisque on a cette question qui est récurrente pour les personnes qui sont enceintes, qu'est-ce qu'il faut faire, les personnes qui allaitent, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, on va terminer par quoi? Par quelques recommandations. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, c'est une occasion en or. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'attend, et le malheureux, le véritable malheureux, c'est celui qui ne profite pas de cette occasion pour qu'à la fin de ce mois de Ramadan, eh bien, qu'il se fasse pardonner, qu'il rentre dans la miséricorde, qu'il soit couvert par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faut diversifier les actes d'adoration. Ce n'est pas que le jeûne. Il faut développer sa spiritualité, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, par le jeûne non seulement, puisque c'est l'élément principal pendant ce mois de Ramadan, mais aussi par la prière, par les invocations, par le zikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des du'as, beaucoup de du'as, et aussi par la lecture du Coran. Lire beaucoup,
avoir un programme défini pendant ce mois de Ramadan, avoir cette relation étroite avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan. Autre chose très importante, c'est de savoir tenir sa langue vis-à-vis des autres, la médisance. Rappelons-nous, celui qui n'évite pas de parler de tout et de n'importe quoi, de la calomnie, la namima, si vous voulez, d'utiliser sa langue, d'enchaîner sa langue pendant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers justement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah n'a rien à faire du jeûne de celui qui ne se prive pas de la calomnie, de parler sur les gens, de la médisance, et ainsi de suite. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورْ وَالْعَمَلَ بِهِ Celui qui ne délaisse pas de parler, de dire des choses qui sont, même en dehors de Ramadan, blâmables et interdites, pendant le mois de Ramadan, il ne se prive pas de le faire, Allah n'a pas besoin de son jeûne. C'est-à-dire qu'il passe sa journée à avoir faim, à avoir soif, sans tirer les hasanats qu'il faut. Ça ne veut pas dire que ça va annuler le jeûne. Non. Le mensonge, les mauvaises paroles n'annulent pas, n'enlèvent pas le caractère obligatoire. Le caractère obligatoire, tu auras jeûné, tu auras observé l'obligation du jeûne. Par contre, les hasanats de ton jeûne, la récompense de ton jeûne va considérablement diminuer, va voir inexistant. Tu auras jeûné, mais tu n'as pas de hasanat, tu n'as pas la récompense de celui qui aura jeûné. C'est hyper important, mes frères et sœurs, pendant ce mois de Ramadan, ce combat, il est à mener. Parce qu'on prie beaucoup, on fait beaucoup de dua, on fait la sadaqa, on donne la zakat, on fait des dua, on lit le Coran. Mais à côté, la médisance, elle est là. On parle sur les gens, on parle des choses qui sont des choses qui relèvent de futilité. Tout cela, vraiment, ce combat, il est à mener. Ne soyons pas des gens qui faisons des bonnes actions d'un côté et tout de suite à côté, on fait des mauvaises actions. Les mauvaises actions risquent d'annuler les bonnes dans un autre sens, même si on dit « innal hasanat yudhibna sayyi'at ». Mais il faut absolument se mettre dans cet état d'esprit de livrer ce combat contre soi-même, contre son nafs, contre son ego, et de se concentrer sur le développement de sa spiritualité. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre un mois de Ramadan plein de spiritualité et que qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre, nous pardonne, nous fasse mériter sa miséricorde avant la fin du mois de Ramadan et que nos péchés soient pardonnés. Qu'Allah pardonne ceux qui sont décédés, qui étaient là parmi nous et ceux qui sont décédés avant, tous ceux qui nous demandent des invocations pour leurs défunts. Et nous défions à nous, qu'Allah les fasse miséricorde, qu'Allah guérisse nos malades. Il y a beaucoup de nos proches qui sont malades, beaucoup de gens qui demandent des invocations pour leurs proches, qui sont malades, qui sont hospitalisés, qui subissent vivent des épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élève et leur efface leurs péchés et leur sorte de leurs épreuves sains et saufs. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.